Donc on est toujours au Mency Metal Fest 2024. Alors, si vous avez écouté l'interview précédente du groupe Holy War, derrière vous entendiez de la gratte et c'était le guitariste de Deficiency, c'est ça ? Que je me plante pas, putain, parce que c'est le troisième jour, hein. Moi j'ai plus de voix, on est cuit. Mais du coup, on est sur un rock plus symphonique, un metal plus symphonique. Je vais laisser... Qui veut présenter le groupe ? Allez-y, présentez les membres du groupe. Salut à tous, c'est Deficiency, on a un groupe de thrash mélodique avec des influences info, death mélo et d'ailleurs aussi. Et on arrive de Lorraine et puis en Moselle, vraiment frontière avec l'Allemagne. Et alors où ? Mais alors quelle Alors la salle de répète se situe à Frémin-Merlebach. Alors ça s'invente pas, c'est un bled, voilà, c'est vraiment tout près de Forbach. D'accord. Saint-Avold, pour ceux qui connaissent. Mais ça parle pas. Si, Forbach quand même, et la sidérurgie et tout. C'est plus le charbon, ouais. Sidérurgie, c'est plus dans le nord, ouais. D'accord. Sidérurgie, c'est tous les bleds en orange. Ouais, c'est ça. C'est une lampe tempête. C'est une lampe de mineur, ouais. Non, c'est pas une lampe de mineur, c'est une lampe tempête. Ouais, mais nous, on dit que c'est une lampe de mineur. Ok. Parce que une vraie lampe de mineur, c'est plus moche qu'une belle lampe comme ça. Écoutez, bon, présentez les membres du groupe, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Laurent, je suis à la guitare et au chant. Yanné à la basse. Gabriel à la guitare. Et alors là, il nous manque qui entra parce que là, le groupe passe, vous passez là dans quelques minutes. Et du coup, il nous manque. Il nous manque Ben à la batterie. Ouais. Et c'est tout. Il y a que le backer. Jean-Michel au sample. Jean-Michel au sample. Très bien. Alors, je veux quand même quelques influences pour les gens qui vous ont jamais écouté. Quel groupe vous a inspiré ou qu'est-ce qui est un peu proche de ce que vous faites sur la scène française ou internationale? Moi, je dirais après, on est sur des racines old school, un petit peu à la Metallica, Megadeth, avec comme dit une petite pointe de modernité. Je citerai Machine Head, Soilwork aussi, qui font partie de nos influences. Symphony X, In Flames. D'accord, In Flames, quelque chose. Arcane, effectivement. Ça marche. Combien d'albums et est-ce qu'il y a un album de prévu dans l'année ? Alors, 4 albums. Là, on est sur la tournée du 4e, donc Varenta, qui est sorti il y a 2 ans environ. On est sur la fin de la tournée de cet album. Et puis, y a un nouveau single qui est sorti en juillet, là, tout frais. D'accord. The Nest. Et puis, on est en train de bosser pour la suite, pour le nouvel album. Ouais. Bon, cette année encore, je pense pas, mais ouais, pour là, on va essayer de faire ça l'année prochaine. Si tout en 2026. Nouvel album en 2026, quoi. Ouais, 2025. On verra. Ça va dépendre comment on avance, quoi. Ça marche. Et d'ailleurs, le rythme, vous voyez tous les combien ? Comment vous bossez ? La salle de répète, vous y allez tous les combien ? Tous les pas assez tous les ans. Ouais, deux fois par mois, c'est tout. On essaye moins. Ouais, c'est souvent moins. Mais du coup, vous bossez en ligne, vous faites comment ? Il y a des compléments un peu en ligne. On se voit souvent, Gab et moi, les deux gratteux, deux guitaristes, pour composer, pour bosser, pour mettre en place des trucs. Et après, on met aussi, évidemment, tout en place, mais c'est surtout, quand on met tout en place, c'est surtout des répétitions pour les concerts. On va vraiment faire des... En résidence, c'est pas le mot, mais on répète, parce qu'on fait aussi des résidences en salle, mais c'est vraiment de la mise en place du live. Morceaux, voilà. Et après, quand on est en phase d'album, ce qui va arriver là dans tout bientôt, là, on va vraiment se mettre à quatre et on va tous bosser les morceaux de notre côté, chacun de notre côté. On fait les pré-productions, chacun, on se les envoie. Voilà. Avec quel logiciel ou... On compose avec Guitar Pro, on utilise Guitar Pro, on envoie ça. On fait des pré-productions. Et Cubase. Et avec Cubase, on s'enregistre. Cubase. Ouais, Cubase. Et puis après, en fait, on met pas mal de taf à distance. En live, on répète, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des dates de prévues ? Si les gens veulent vous voir. Oui. Non, pas, y a pas une salle qui vous. Si, là, on est au Mency déjà. Voilà. Je pense que de toute façon les capsules vont passer dans la semaine. Les gens qui nous écoutent là. Le mois prochain, on sera au festival Death Rock à Brest. D'accord, donc octobre à Brest. Ouais, le 4 octobre à Brest, salle Léo Ferré, espace Léo Ferré. En octobre, encore une fois, on sera en Allemagne, 18 ou 19, en Allemagne à Sarrebruck, au studio 30. Ouais. Et ensuite, on va être en Alsace à Célestat le 23 novembre. Ok, voilà. Ouais, donc il y a de la date octobre. Il y a quelques dates, voilà, et puis là on commence un peu à bosser sur 2025 tout doucement. Quelques plans qui vont arriver, et puis voilà. Mais c'est déjà pas mal. Et là, comme dit, on est vraiment sur la fin de la date, un projet d'album, je sais pas ce qu'on peut faire. Et là après, ma dernière question, quel groupe vous êtes arrivé quand sur le festival ? Hier soir. Donc vous avez vu des groupes un peu ? Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu ? Ouais, Lordi, c'est un show, voilà. Oui.
Ils nous ont fait Hard Rock Alléluia à la fin, on a rejoué l'Eurovision. J'ai jamais vu une fois à Mulhouse, je crois, mais genre il y a 15 ans, mais en fait ça m'a fait super plaisir de les revoir, quoi. Franchement, c'est cool, ça a pas pris le ride, quoi. Bah normal, ils ont. Comme les Weshirt, ça c'est des groupes, c'est vrai, oui, tu sens, oui, on peut pas. Ils ont pas. Ouais, moi je suis sur Arcania, c'est les potes, donc on est arrivé. Arcania, c'était très chouette aussi. Il nous tarde de. Bon là, je les ai eu en interview, donc si vous voulez découvrir Arcania, il y a eu un enregistrement d'eux. Et on était sur le set, il y a des photos d'ailleurs sur le Facebook de la radio. Très bien. Et après, là aujourd'hui, vous attendez qui vous allez aller voir après? Bah, on va surtout remballer le matos et rentrer à la maison. Parce que demain matin on bosse, donc on a un peu de route, 5 heures de route là. Donc ouais. Malheureusement, on va pas pouvoir profiter beaucoup de la soirée. Et vous bossez dans quoi? Alors moi je suis enseignant dans un lycée. Ils savent, ils vous voient. Ils viennent au concert. L'année dernière, on a joué dans mon lycée. Ah, super. Génial. Ok. Je suis courtier en assurance. Ok, ouais, tu joues pas dans la boutique, tu fais pas de son, quoi. Ouais, je suis un peu prétentieux, mais je suis musicien pro. Premiers musiciens professionnels qu'on rencontre, entièrement professionnels. Parce que Arcania, c'est pas, il bosse à côté et tout, c'est tout de. Il est intermittent. Il est aussi pro. Nico, c'est vrai. Bah, parfait, écoutez, merci beaucoup. Et je pense que est-ce que vous voulez ajouter un truc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah non, soyez curieux, découvrez des groupes. c'est enregistré, on est à 6 minutes. Si c'est bon, faut que je fasse moins de 10 minutes. Ah, parfait, bah merci à toi pour ce petit moment qui était vraiment très sympa. Et puis Un message pour la Normandie, peut-être. Un message pour la Normandie, I was in Bayeux, voilà. Ah, peut-être le ferrailleur à Nantes, si je sais qu'ils écoutent Radio Normandie Rock. Programmez-les. Ah, vous avez déjà joué au ferrailleur? Ouais, ça remonte un petit peu. Écoutez Desfitiency, merci à vous. Bon festival. À plus. Merci. Merci.